Donc la voilà partie, Jeanne, avec ses six bons hommes. Comment faut-il la voir? Comment est-ce qu'elle était habillée? Bien, les gens de vos couleurs eux-mêmes, qui s'étaient cotisés pour lui payer les vêtements, lui avaient dit, il faut un vêtement d'homme. C'est plus convenable, et puis le pays qu'on va traverser est très dangereux. Par conséquent, elle a des houseaux, vous savez, ces pantalons serrés, quoi, des houseaux noirs, et elle a un petit juste au corps gris. Sur la tête, elle a un chaperon. Chaperon, c'est un petit chapeau pointu, mais devant, pointu. Et surtout, elle s'est fait couper les cheveux au-dessus des oreilles. Vous savez, on se trompe aujourd'hui quand on dit les cheveux coupés à la Jeanne d'Arc, ça veut dire qu'ils couvrent les oreilles. Non, pas du tout, au-dessus des oreilles. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre un casque, puisque c'est une guerrière, et que pour que le casque tienne, il faut qu'il s'emboîte bien au-dessus des oreilles. Alors, cheveux coupés. Coupé au bol, vous savez. Ça va durer 11 jours, son parcours. Parce qu'entre Vaucouleurs et Chinon, là où se trouve le roi, il y a tout de même quelque chose comme 650 km. Elle est à cheval. 11 jours où elle va être avec ses six bons hommes, tout le temps. Et des jeunes gens. Alors la question se pose tout de suite, mais enfin, cette fille, hein, c'est cette jolie fille, avec ses six bons hommes, il ne s'est rien passé. Alors là, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. C'est une femme chez qui elle a habité, la Touroulde, comme on l'appelait quand elle était à Bourges, et qui va dire ceci au procès. J'ai entendu ceux qui l'amenèrent au roi. Ils disaient qu'au début, ils auraient voulu la requérir charnellement. Je crois qu'on a arrangé ça, vous savez, comme phrase. La requérir charnellement, mais ils n'osaient pas. Ils n'osaient pas, c'est-à-dire que cette fille les intimidait. D'abord, il y avait cette réputation de sainteté autour d'elle. On disait, c'est une fille qui est recommandée par le bon Dieu, pas touche. Hein. Puis d'autre part, il sortait de Jeanne, je ne sais quoi, une espèce de magnétisme, enfin un respect spontané. Je vais vous apporter là une deuxième citation qui est de Dunois, nous allons en parler, Dunois le bâtard d'Orléans avec lequel elle travaillera à Orléans. Et lui, il va aller au-delà, il va dire, je dis ça doucement, hein. Quand on était avec Jeanne, c'est drôle, c'est curieux, on ne pensait plus aux femmes, au pluriel, aux femmes. Il ne s'agissait pas simplement de Jeanne qu'on n'avait pas envie de prendre, parce qu'il n'y avait pas question, mais on ne pensait même plus aux femmes. Comme si cette petite sortait d'elle une espèce de contagion qui faisait que les gens se sentaient différents, meilleurs, enfin transportés sur un autre plan lorsqu'ils étaient avec une gamine comme ça. C'est un pays dangereux qu'on va traverser, puisque c'est les Bourguignons. J'ai assez raconté qu'il y avait ces drames permanents entre les Bourguignons et les Français, quoi. Alors on va surtout voyager de nuit, parce que de jour, ce petit cortège de 7 chevaux, il y a le cheval de Jeanne et puis les 6 autres, ça se fait remarquer. Alors c'est de nuit qu'on circule. On tâche aussi de ne pas passer par les ponts, parce qu'on se ferait repérer. Alors on passe les rivières ou les fleuves, on les passe à guet. Il y a une fois tout de même où Jeanne va faire une espèce de folie. Elle est très pieuse, vous le savez. Alors quand on va arriver devant Auxerre, elle dit « je veux aller à la messe ». Aller à la messe d'Auxerre, il n'y a pas de messe nocturne à ce moment-là. Hein. Alors il faut qu'elle aille carrément, en plein jour, à la messe à Auxerre. Je suppose qu'ils vont se séparer, ils ne vont pas tous y aller ensemble. On lui a dit « mais c'est une folie, enfin, c'est une chose extrêmement imprudente ». Elle y va tout de même, par bonheur, il n'arrivera à rien. Un détail qui a son prix, que je vais vous dire, qui sera raconté par Jean de Poulanger, par Bernard de Poulanger et Bertrand de... Alors, je me suis trompé. C'est Jean de Metz et Bertrand de Poulanger. Ils diront, pendant ces 11 jours, on ne s'embêtait pas. Parce qu'elle était gaie, elle était en train, cette gamine. Alors, on lui faisait des blagues. On lui disait à un moment, on lui a fait ça 2-3 fois, on lui dit, attention, on a vu, il y a des types qui sont en embuscade là-bas. Sauf qu'il peut. Et ils faisaient semblant de retourner leurs chevaux et de s'enfuir. Jeanne les regardait, elle s'apercevait qu'il n'y avait rien. Puis il disait, enfin, c'est une blague, oui. Alors il dit, oui, c'était pour voir si vous aviez peur. Et puis on repartait en chantant. La voilà qui va s'amener maintenant à Chinon. Mais attention, c'est qu'elle n'est pas annoncée à Chinon. On ne lui a pas donné de lettre de recommandation. Alors sa dernière étape, qui était à Fierbois, elle va envoyer une lettre au roi pour demander, j'arrive de Don Rémy, je suis inspiré par le bon Dieu, est-ce que vous voulez me recevoir? Elle n'est pas tellement sûre que ça va marcher, puisque Baudricourt n'a pas voulu se mouiller d'une manière absolue. Alors, elle va tâtonner, elle va s'avancer, on ne sait même pas la date exactement. Il y a des gens qui vous affirment qu'elle est arrivée le 6 mars, on n'en sait rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraisemblablement fin février. Alors, vous vous rendez compte qu'elle a marché pendant 11 jours en février, et que si on nous parle simplement que de son juste au corps et de ses houseaux, il devait tout de même avoir un manteau. Puis il ne faisait pas chaud hein, dans les nuits de février pour aller passer la nuit dehors, comme elle l'a fait pendant 11 jours. Elle arrive à Chine. Alors là... C'est pas la première fois que je la trouverai en flagrant délit de mensonge. Mensonge, c'est un mot terrible, mais enfin, elle va dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, vous savez, au procès. Et en particulier au procès, elle va dire, dès que je suis arrivé à Chinon, où était le roi, je suis descendu à l'hôtellerie, et dans l'après-midi même, le roi m'a fait venir. Ah non, alors, pas question, vous savez, il s'en faut que ce soit l'après-midi, ça va durer un certain temps, et même un fameux temps, et Jeanne va commencer à s'exaspérer, le roi ne voulait pas la recevoir. Notez qu'elle arrive pas tout à fait comme un aérolite. Parce que d'une part, je crois que le Baudricourt avait annoncé à Yolande qu'elle lui envoyait une fille extraordinaire. Et d'autre part, une rumeur avait commencé à se répandre le long de la Loire.
lorsque Jeanne, qui s'était arrêtée à Auxerre pour la messe dont je viens de vous parler, avait traversé la Loire à Gien. Et à Gien, elle avait raconté aux Gien, aux gens, Gien c'était le territoire royal, hein. Elle avait raconté aux gens, je m'amène là pour délivrer Orléans et pour faire sacrer le roi. Le bruit s'en était répandu, le long d'une rivière, vous savez, ça va vite, il y avait Bathilly qui raconte, et Dunois, qui commandait à Orléans, a entendu dire que des gens de Gien disaient, il y a une fille surprenante qui vient de passer. Et Dunois, ça l'intéresse directement, puisqu'il est le patron d'Orléans, l'Orléans menacé, va immédiatement envoyer des émissaires à Chinon pour s'informer. Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu la fille? Enfin, il paraît qu'il y a une fille extraordinaire qui arrive de vos couleurs et qui prétend qu'elle va délivrer Orléans. Donc, il y a déjà une petite rumeur qui l'a précédée. Ça ne suffit naturellement pas pour que le roi la reçoive. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Deux choses, préalablement, avant d'accepter de la voir. D'abord, il envoie un délégué, je ne sais pas moi, un type du conseil royal, qui va venir à l'hôtellerie où est Jeanne, qui s'impatiente, elle va dire, quoi, on ne veut pas me recevoir, on n'a pas confiance en moi. Et le type devant Jeanne lui dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous venez faire? Expliquez-nous bien. Et je répondrai ça à sa majesté. Alors Jeanne dit, je viens faire deux choses, et je suis commandé par le bon Dieu pour le faire. Premièrement, je vais délivrer Orléans, et deuxièmement, je vais faire sacrer sa majesté à Reims. Bon, dit le monsieur, et il retourne auprès du roi, et il dit, la fille a dit ceci et ceci. Alors qu'est-ce que le roi décide à ce moment-là? Il décide de faire un double examen sur cette fille, examen. On va l'examiner physiquement, et on va l'examiner moralement. Physiquement, pourquoi? C'est assez pénible à dire, mais on veut voir si elle est vierge ou si elle n'est pas vierge. Parce que si c'est inspiré, vous savez, ça pullule, on en a beaucoup parlé. Figurez-vous que Charles V, lui, qui avait d'ailleurs un astrologue auprès de lui en permanence, il avait été visité comme ça par une fille qui s'appelait Guillemette de La Rochelle, dont l'histoire a à peine retenu le nom, mais c'est aussi une inspirée qui venait, elle, de La Rochelle et qui disait « j'ai des choses à dire pour le salut du roi ». Charles VI, c'était le père de Charles VII, Charles VI avait vu deux inspirés, lui, une Marie de Maillet et une autre qui s'appelait Marie Robine, dite la Gasque, je vois bien ce que ça veut dire, la Gasque d'Avignon, je pense la Gasconne, mais qui était en résidence à Avignon. Alors comme on en parlait de ces inspirés, et comme à ce moment-là les gens disaient, il peut y avoir des inspirations diaboliques, hein, alors le diable, il peut rien sur les vierges. Alors on va d'abord voir si la fille qui nous arrive de Don Rémy, elle est vierge. Alors on va lui faire subir cet examen assez pénible. Et qui c'est qui le fait? C'est Yolande. Ça prouve que la belle-mère du roi s'intéresse particulièrement à cette fille, puisqu'elle aurait pu charger je ne sais quelle matrone d'examiner l'hymen de Jeanne. Non, c'est elle qui va voir. Et puis qui va dire au roi, oui, il y a cette fille qui arrive, en tout cas il y a une chose sûre, c'est qu'elle est vierge. Bon, ça c'est l'examen physique. Puis l'examen moral. Mais une espèce de commission ecclésiastique qui va se rassembler, il y a en particulier le confesseur du roi qui s'appelle Gérard Machet, oui, et qui va commencer à poser des questions à Jeanne, toujours sur la question de savoir si elle est une sorcière ou si elle n'est pas une sorcière. Et ça va durer. Nous ne savons pas combien de temps. Je sais simplement que Jeanne dira au procès, lorsque j'ai pu parler au roi, j'ai été délivré des clercs qui arguaient contre moi. Ça a duré peut-être plus de 8 jours, peut-être même plus de 15 jours. Toujours est-il qu'enfin le roi se décide à la recevoir et dit « on va bien voir ». Pourquoi est-ce que le roi se décide à la recevoir? Il y a des tas de raisons. Premièrement, la petite enquête cléricale qui a été faite sur elle a été plutôt bonne. Enfin, on a dit il n'y a rien contre, et elle est pas mal. Et puis, deuxièmement, il y a l'histoire du voyage. Ça a impressionné les gens que cette fille ait pu traverser sans péril, enfin, sans, comme une fleur, ces 650 km qui étaient remplis de routiers, qui étaient remplis de mercenaires et qui étaient un pays hostile. Ça a impressionné le roi. Et puis, il y a les prophéties. Ces fameuses prophéties qui circulaient et dont Jeanne avait entendu parler dans son pays, la Barrois, elles circulaient à travers la France. Et il y a des gens qui doivent dire au roi, mais après tout, c'est peut-être vrai, c'est peut-être cette fille qui est engagée. En plus, il y a Yolande. Je suis convaincu que Yolande s'est amenée auprès du roi, son gendre, et qu'il lui a dit, non, j'insiste, il faut recevoir cette fille. Et puis surtout, il y a un nommé Simon Charles, qui est un financier des présidents de la Cour des comptes, et qui, au procès de réhabilitation à 1456, a apporté un fait nouveau. Il a dit ceci. Il y eut délibération à la cour pour savoir si le roi la recevrait ou non. Le roi hésita à recevoir Jeanne jusqu'au moment où il lui fut rapporté que Baudricourt lui avait écrit qu'il envoyait cette personne. Ah ah ! Alors ça c'est un document nouveau. Baudricourt avait tout de même écrit. Et probablement qu'on avait étouffé la lettre de Baudricourt. Vous savez, un roi comme un président, hein, c'est un monsieur qui ne voit pas tout le courrier. Il y a un conseil royal qui est chargé de trier le courrier. Alors j'ai l'impression que Baudricourt avait bien envoyé une lettre, mais qu'on l'avait mis de côté, on n'avait pas voulu en induire le roi avec ça. Et Yolande lui dit, mais regardez bien dans votre courrier, faites demander, il n'y a pas eu une lettre de Baudricourt. Eh bien si, il y avait eu une lettre de Baudricourt. Il ne l'avait pas recommandé Jeanne, mais il l'avait signalé.
Et le roi, il le connaît, son Baudricourt. Il sait que c'est un homme qui a les pieds sur terre, hein, c'est un soliste, un réaliste. Et il me dit, si ce type, si Baudricourt m'envoie Jeanne, il faut de même que je la voie. Donc c'est décidé, on va la recevoir. Alors dès que le roi a dit, je vais recevoir cette fille, vous pensez, hein, c'est un mouvement de foule. À la cour, où il n'y avait pas tellement de divertissement, on se dit, ça va être extrêmement intéressant de voir arriver cette espèce de petite gamine. Les dames de la cour, ça est rempli de leurs atours, doivent la regarder de haut, d'avance. Cette espèce de plouc, enfin, cette bouseuse qui arrive, qui sent le crottin, on va voir comment elle se comportait devant le roi. Il y avait foule. Jeanne, du reste, au procès dira, oui, quand je suis entré dans la grande salle, il y avait des quantités de chevaliers, il y avait des torches, preuve qu'on la reçoit à la fin de la journée, et je me suis avancé devant le roi. Alors là, une histoire légendaire dont je vous ai déjà parlé, c'est à savoir que Jeanne aurait reconnu, pour ainsi dire miraculeusement, le roi. Que le roi se serait même dissimulé, se serait caché, mais qu'elle, sous l'inspiration divine, l'a immédiatement reconnu. Mais non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Jeanne n'a jamais dit que le roi s'était caché. Et je suis convaincu personnellement qu'elle n'est pas arrivée seule, vous savez. Elle s'amène là, dans cette cour, elle n'entre pas toute seule dans cette grande salle. Quelqu'un l'accompagne. Peut-être Jean de Metz, peut-être Bertrand de Poulengy, peut-être même Yolande. Et on la conduit directement vers le roi. Elle est habillée avec son petit costume que je vous ai décrit, ses pantalons, c'est-à-dire ses houseaux noirs, collants, enfin qui lui moulent les jambes, son petit juste au corps. Elle s'amène devant le roi et j'ai bien l'impression qu'à ce moment-là, elle a dû avoir un choc. Le roi, pour elle, elle l'appelait toujours le dauphin. Il était pourtant roi, mais pour elle, il n'était pas encore un vrai roi tant qu'il n'était pas sacré. Le dauphin, dans sa pensée de petite paysanne, hein, le dauphin de France, ça devait être quelque chose d'éblouissant, une espèce d'Apollon royal. Ben, on la connaît, la figure de Charles VII, il y a le fameux tableau de Fouquet qui est au Louvre. Vous l'avez vu, enfin, vous savez qui est Charles VII. Il avait des yeux morts, il avait un long nez qui était gros, qui était gras du bout, il avait des lèvres molles, enfin il avait l'air d'un minus. En plus, il se tenait mal, il était court sur pattes, il avait des jambes extrêmement maigres et il avait des genoux cagneux qui se touchaient. Donc ce n'était pas quelqu'un d'éblouissant. Mais pour Jeanne, ça n'a pas d'importance, c'est le dauphin, enfin, c'est l'homme que Dieu l'a chargé d'aller faire sacrer Arras. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas intimidée, vous savez. On racontera plus tard, c'est formidable. Cette fille de la campagne, qui ne connaît pas les usages, a fait exactement les révérences appropriées. Mais c'est la preuve qu'on l'avait fait répéter. On va lui dire, tu sais mon petit, on va te présenter devant le roi, voilà ce qu'il faut faire. Alors, un, elle connaît le roi directement parce qu'on l'amène au pied du roi. Et deuxièmement, elle fait les gesticulations nécessaires parce qu'on lui a dit comment il fallait faire. Le roi va la prendre à part. Ça, c'est parfaitement vrai. Il y a toutes sortes de témoignages. Il va la prendre à part parce qu'elle lui dit, j'ai quelque chose à vous dire. Alors ça reste encore aujourd'hui énigmatique. Qu'est-ce qu'elle a dit véritablement au roi? Vous voyez dans pas mal de bouquins qu'elle a révélé au roi le secret de sa naissance. Et que le roi, paraît-il, étant donné que c'était sa mère, vous savez, Isabeau de Bavière, enfin, qui couchait avec Louis d'Orléans et bien d'autres, le roi pouvait se demander, est-ce que je suis vraiment le fils de Charles VI? Alors nous avons un texte, vous allez voir ce qu'il faut en penser, nous avons un texte qui dit, Jeanne a pris le roi à part et lui a dit, ne doutez pas, sire, vous êtes le vrai fils du roi. Qui est-ce qui a raconté ça? Critique des sources, comme je vous dis toujours. Hein. C'est Jean Pasquerel. Et qui est Jean Pasquerel? Jean Pasquerel, c'est un chapelain. C'est un moine qui s'est, pour ainsi dire, imposé à Jeanne. Il a entendu dire qu'elle était à Chinon. Il va la voir et il lui dit, faites-moi confiance, moi je suis envoyé par votre mère. Il paraît que la mère de Jeanne aurait été en pèlerinage au puits, et que Pasquerel l'aurait rencontré là, et que la mère de Jeanne a dit à ma petite fille qui s'est sauvée, qui est auprès de Chinon, allez-y mon frère ou mon père, et occupez-vous d'elle. Je n'en crois rien. Les historiens qui ont fait des recherches minutieuses semblent établir, puis c'est pas sûr du tout, que la mère de Jeanne soit allée au puits. Je crois plutôt que ce Pasquerel, qui est un intrigant, qui est un habile, enfin, un moine qui se dit il y a quelque chose à faire auprès de Jeanne, tout le monde parle d'elle, lui a raconté la blague du puits, et c'est lui qui va dire, Jeanne m'a raconté, il va dire ça 25 ans plus tard. Jeanne m'a raconté, voilà ce que j'ai dit au roi. Dans sa déposition de 1456, là, pour les révélations, il en racontera des trucs comme ça, vous savez, parce qu'il dit, Jeanne m'a dit, allez voir, il n'y a pas moyen de contrôler. Et bien, personnellement, je n'y crois pas du tout. Que Jeanne se soit permis, de dire au roi, ne doutez pas de votre naissance. Parce que ça impliquait deux choses. Premièrement, votre père était fou, bon, c'est entendu, Charles VI, mais enfin, on en parlait. Deuxièmement, votre mère était une garce. Alors, je ne la vois pas du tout disant ça. Il n'y a aucune preuve qu'elle l'ait dit. En revanche, à la fin de ce même siècle, 15e siècle, il y a un Lyonnais qui s'appelle Pierre Sala. Et ce Pierre Sala a apporté un document qu'il dit tenir d'un nommé Guillaume Gouffier, qui était un ancien chambellan de Charles VII. Et ce Guillaume Gouffier aurait dit à ce Pierre Sala, voici ce qui s'est passé. Lorsque le roi a pris la petite à part, la gosse lui a révélé une prière qu'il avait faite le jour de la Toussaint 1428 et qu'évidemment personne ne connaissait. Peut-être vous rappelez-vous que je vous ai dit dans mon premier exposé que les Anglais avaient mis le siège d'Orléans en octobre 1428.
Et je vous avais dit aussi, si jamais ils emportent Orléans, c'est la fin de tout, parce qu'ils vont se déferler sur le Berry et le pauvre roi est obligé de s'en aller. Et c'est vrai que le roi, à ce moment-là, épouvanté, et qui était très pieux, qui était très dévot, avait joint les mains et avait demandé mystérieusement au ciel que si jamais les Anglais prenaient Orléans, la Providence le couvre de telle manière qu'il puisse se réfugier soit en Dauphiné, soit en Écosse. Il avait fait cette prière tout seul. Il n'en avait forcément parlé à personne. Et tout à coup, il avait devant lui cette gamine qui disait « Sire, je sais ce que vous avez dit à Dieu le jour de la Toussaint 1428. » Ça, ça l'a probablement beaucoup impressionné. Tiens, cette fille a un don extraordinaire, un don de seconde vue, elle sait des choses. Mais quand on nous raconte que Jeanne, après sa conversation avec le roi, l'avait tellement bouleversée que le roi tout de suite l'a embrassée et lui a dit « ça y est, je te confie une armée », c'est absolument faux. Parce que qu'est-ce qu'il va faire le roi, si ému qu'il ait été par la révélation de Jeanne? Il va de nouveau la coller à une commission ecclésiastique, la deuxième commission ecclésiastique, qui pendant 3 semaines ou un mois, ça on est renseigné, pendant 3 semaines ou un mois, va continuer à mettre la petite sur le grill pour lui poser des tas de questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du roi? Je suis devant une fille un peu extraordinaire. Elle sait des choses que personne ne sait. Est-ce que c'est pas une sorcière? Et à ce moment-là, vous savez, on parlait beaucoup de sorcières ou d'inspirées. Et il y avait des manuels, il y avait des livres de théologie, avec les indications nécessaires pour distinguer la mauvaise de la bonne, les mauvais esprits des bons esprits. Alors le roi se dit, je m'en vais la confier à une commission ecclésiastique sérieuse, bien plus sérieuse que la première, et on va la tourner et la retourner jusqu'à ce que ces gens me disent, oui c'est vrai, c'est une inspiration divine, et c'est pas une inspiration démoniaque. Toujours est-il que la repartie cette fois à Poitiers. Pourquoi elle va à Poitiers? Parce que le roi avait affaire à Poitiers, il la traîne derrière lui, il l'installe là à Poitiers, et elle est logée du reste chez un personnage considérable, chez un nommé Rabateau, qui était avocat général, donc on l'entoure tout de même d'estime, et ou bien elle va au siège de la commission, ou bien c'est la commission qui vient chez elle. Elle est exaspérée, elle est furieuse la petite. D'ailleurs, nous l'avons très souvent furieuse dans notre histoire. Jeanne se dit, ils sont pas chics avec moi, mais c'est évident, enfin je le sais bien que je suis mandaté par Dieu. Et ils me mettent entre les pattes de ces curés qui me posent des tas de questions idiotes. Il y a une déposition de 1456 que j'aime beaucoup, c'est un nommé, comment il s'appelle, Gobert Thibault, qui était un homme d'armes. Et il dira, avec une gentille familiarité, un jour à Poitiers, Jeanne m'a tapé sur l'épaule. Elle me dit, des gars comme vous, ça me plaît. Quant à ceux-là, c'était les curés, c'était les docteurs en théologie. Quant à ceux-là, elle est parfaitement odieuse avec eux. Il y en a un, par exemple, qui le racontera plus tard, qui s'appelle Seguin, qui dit, je m'étais permis de lui demander, ses voix, ben, quelle langue parlait-elle? Elle parlait français, les voix? Savez-vous ce que Jeanne m'a répondu? Ah, elle parlait mieux français que vous. Pourquoi? Parce qu'il était limousin, qu'il avait un gros accent limousin. Il y a un autre qui s'était permis de lui demander une chose pour elle absolument inouïe. Il lui avait dit, croyez-vous en Dieu, Jeanne? Et elle avait répondu avec insolence, ah ben, un peu mieux que vous. Un peu mieux que vous, parce que lui, il a l'air de douter d'elle. Et elle avait même sorti une phrase que nous avons par Madame Touroud, là, la femme chez laquelle elle a logé à Bourges. Au livre du Seigneur, il y a plus que dans tous les vôtres, dit Jeanne. Ça veut dire vos petits grimoires là, de sorcellerie, c'est pas intéressant. Le livre du Seigneur, moi je le connais. C'était extrêmement raide de dire ça de grands personnages. Il y avait un inquisiteur, vous savez, il y a un inquisiteur Toulouse qui s'appelait Turlure, oui c'était son nom, il s'appelait Turlure. Il y avait Regnault de Chartres, et Regnault de Chartres, c'était une des grosses censures du royaume dont je vous ai parlé, qui était très mal, du reste, était très mal avec Yolande. C'était lui qui était le président de la commission ecclésiastique, et je suis convaincu que Regnault de Chartres a froncé les sourcils quand il a vu cette fille dire « moi j'en sais plus long que tous vos livres ». Néanmoins, les gens de la commission ecclésiastique vont finir par être favorables. Il y a des tas de raisons. Hein. Premièrement, je viens de vous le dire, elle est logée chez un grand personnage, preuve de l'estime que lui porte le roi. Deuxièmement, tout le monde, sûrement, dans la commission, sait que Yolande est derrière elle et désire un rapport favorable. Troisièmement, on l'a observée, Jeanne, pensez. On regarde comment elle se comporte, quels sont les gens qu'elle voit. On voit en particulier qu'elle est très dévote, elle va presque tous les jours à l'église. Elle aime aller à l'église aux messes des enfants. C'est assez intéressant ça. Elle ne veut pas aller dans les grands messes. Elle demande toujours à Poitiers à quel moment ou à quel endroit y a-t-il une messe d'enfants. Et c'est là qu'elle va. On sait aussi qu'elle est très sobre. Elle mange peu. Elle mange assez souvent simplement un petit morceau de pain qui est trempé dans du vin. Attention, c'est pas mal. Il y a Bernard Shaw qui a dit quelque chose d'assez drôle. Le vin, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, c'est l'eau potable des Français. Alors par conséquent, ce n'est pas du tout grave qu'elle trempe son pain dans du vin. Bon. Il y a eu aussi un incident qui a beaucoup frappé les gens. Cette fille avait appris à monter à cheval, et on ne s'en doutait pas, et elle avait couru une lance, comme on dit à ce moment-là, elle avait couru une lance un jour avec d'Alençon, c'est-à-dire, vous savez, le chevalier est sur son cheval, il tient sa lance et il s'agit d'attraper un anneau, par exemple, au grand galop, ou bien de renverser une statue quelconque en paille et en cuir au grand galop aussi. Ben, cette Jeanne, qui arrive de son Don Rémy, de son Vaucouleurs,
Elle a ébloui tout le monde parce qu'elle a couru cette lance et elle a obtenu le résultat qu'il fallait. Une sportive, comme vous voyez. Puis il y a eu surtout une histoire à Chinon qui a impressionné des tas de gens. Et que cette histoire soit vraie, c'est pas parce que Pasquerel nous l'a raconté. Justement, parce que Pasquerel la raconte, je me serais dit c'est une blague. Mais parce que, dans une lettre de ce Giustiniani, je ne sais pas si vous vous rappelez, Giustiniani, c'est un de ses correspondants de cette maison vénitienne des Morosini, qui raconte ce qu'ils entendent dire en France, eh bien, en avril 1429, il y a un des correspondants des Giustiniani qui dit, il s'est arrivé quelque chose à Chinon qui impressionne beaucoup les gens. Quoi donc ? Un jour, la petite Jeanne, elle entrait au château, il y avait la garde, des soldats, quoi, qui étaient à la porte. Et puis il y a un des soldats qui se permet de dire « Ah, c'est ça la Vierge de Don Rémy ? Eh bien, qu'on me la file pour la nuit, elle sera plus vierge demain. » Alors Jeanne s'est arrêtée, elle a regardé au gars et lui dit « Tu ne devrais pas parler comme ça, mon vieux. Parce que dans pas longtemps, tu vas mourir. » Et il paraît que 2 heures plus tard, le gars s'est noyé. Alors ça a fait une telle histoire que cette fille ait pu deviner que ça allait se noyer, que les gens étaient impressionnés. N'empêche que les théologiens avaient pris des conseils, ils avaient demandé à de plus grands théologiens qu'eux, ils avaient demandé à Gerson, ils avaient demandé à Jacques Gélu, qui était l'évêque d'Embrun. Gerson, on ne sait pas exactement si c'est lui qui a répondu à ce moment-là, il y aura une lettre de Gerson plus tard. Mais Gélu, on a la réponse. Et Gélu avait dit quelque chose d'assez comique, enfin à mes yeux. Il avait dit cette fille, elle a été élevée dans le fumier, une paysanne de rien du tout. Et pour qu'elle soit dotée des pouvoirs qu'elle semble avoir, il faut bien qu'il y ait un appui surnaturel. On comprendrait qu'une personne de la haute société soit inspirée de Dieu. Mais une fille tellement basse, enfin, qui sort du fumier, il y a des chances tout de même, puisqu'elle est si extraordinaire, qu'elle soit soutenue par les puissances célestes. Toujours dit que ça y est, on va donner un avis favorable, et que le roi va dire, bon, ben, on va l'utiliser. Mais ce n'est pas simplement parce que les curés ont dit, on va l'utiliser, que le roi se décide. C'est parce qu'il a demandé avis à son conseil. Qu'est-ce que c'est le conseil de roi ? Ça, c'est des diplomates, hein, c'est des politiques, c'est des gens sérieux, enfin, qui ont les pieds sur terre, des positifs, les techniciens de la pratique, quoi. Ce sont les gens qui sont chargés de l'exploitation de la circonstance. Alors eux, quand on leur raconte des histoires de bon Dieu, ils n'y croient guère, vous savez. Ils croient au fait et au prendre. L'incrédulité commence à se répandre dans les hautes sphères, chez les gens distingués. Et ils se disent, cette fille, on nous dit qu'elle est pas mal, il y a des petites gens qui y croient, elle est entourée d'une grande réputation, on pourrait peut-être l'utiliser du point de vue religieux. On pourrait peut-être la présenter comme une espèce de fétiche divin. On va l'envoyer à Orléans, puisqu'elle veut aller à Orléans. Et ça va gonfler les Orléanais de se sentir appuyés par Dieu. Une espèce de Gott mit uns, vous savez, Dieu est avec nous. Ça prouvera que Dieu est avec nous, puisque cette fille céleste arrive. Alors l'on va se dire, bon, ben, si vous voulez, on va essayer. À quelle date ça s'est produit? Je ne peux pas vous le dire, mais j'ai un petit fait quand même intéressant. C'est le 22 avril 1429 seulement, vous me suivez, le 22 avril 1429, que le roi va rembourser à Jean de Metz les frais qu'il avait faits pour amener la petite, avec les 6 bons hommes, depuis Vaucouleurs jusqu'à Chinon. Le roi va lui donner 100 livres à ce moment-là. Peut-être qu'il a fait le remboursement après avoir pris sa décision. Je crois pouvoir vous dire que ça avait traîné à peu près deux mois, entre l'arrivée de la petite à Chinon et son départ. On va lui faire faire une armure, elle est folle de joie, enfin, maintenant, elle est prise au sérieux. Une belle armure, on appelait ça une armure blanche, à la différence des armures ciselées, des armures dorées, qui étaient celles des gens de bien, des gens nobles. Non, une armure toute blanche, une armure simple. Mais elle est très contente d'être dans sa carapace de fer, et surtout contente de voir qu'enfin, on l'a admise. C'est à ce moment-là aussi qu'elle va prendre son surnom. Elle va se rappeler Jeanne la Pucelle. Ben, j'ai une chose intéressante, je crois, à vous dire, à propos de Pucelle, parce que tout le temps, enfin, jusqu'à l'année dernière, j'étais convaincu que Jeanne la Pucelle, ça voulait dire Jeanne la Vierge. Or, ce n'est pas vrai du tout. Premièrement, j'avais repéré dans une note de Rudler, le livre qui a été fait sur Michelet, vous savez, Rudler dit, attention, le mot de Pucelle au 16e, 15e siècle ne signifie pas ce qui va signifier plus tard. Aujourd'hui, on confond les mots de Pucelle et de Vierge. Or, à ce moment-là, une fille de la noblesse qui était vierge n'aurait jamais eu l'idée de dire « je suis Pucelle ». Parce que le mot pucelle était réservé aux filles de la basse classe. Une pucelle, avant tout, c'est quoi? D'abord, prenez l'étymologie. Ça vient directement du latin puella, qui veut dire la jeune fille. Que la jeune fille soit vierge ou pas vierge, c'est pas indiqué, hein. Pucelle, ça veut dire la servante. Une pucelle, c'est une servante. Et pour confirmer ce que M. Rugler indiquait dans une note, j'ai trouvé, dans le procès de réhabilitation de 1456, une petite phrase que je vais vous dire, de l'inquisiteur Jean Bréal, qui, présentant Jeanne, dit: c'est une simple pucelle, virgule, et vierge. Ce qui signifie que les deux choses sont distinctes. Une simple pucelle, une servante de la campagne. Et en plus, il se trouve qu'elle est vierge. Alors quand Jeanne brandit ce nom, je suis la pucelle,
Ça ne veut pas dire du tout qu'elle brandit sa virginité, qu'elle dit « je ne suis une fille intacte », pas du tout. Ça veut dire « je suis la servante ». La servante de qui? Je suis la servante du roi, c'est entendu, mais je suis aussi et surtout la servante de Dieu. Quelques détails physiques sur cette petite. Ben, vous savez, on ne connaît pas son visage. Ça, c'est ennuyeux. Pour le générique, j'aurais bien voulu avoir un visage de Jeanne. Alors, j'étais obligé de trouver l'unique statue. Elle est à la cathédrale de Strasbourg, où j'ai vu Jeanne avec les cheveux coupés au-dessus des oreilles. Preuve, on n'a pas la date de cette statue, mais preuve que celui qui avait construit cette petite, qui avait sculpté cette statue, savait que Jeanne était comme ça. Aucun texte ne parle de sa beauté, et je crois qu'elle n'était pas belle. Il y a un texte assez intéressant de la fin du siècle, la fin du 15e siècle, qui dit, en latin, « rusticana facie », ça veut dire « avec un visage rustique », ça veut dire « un visage paysan ». Je pense qu'elle était visiblement une paysanne, avec des traits forts, avec des traits durs, probablement une peau brune, brune et rose, si vous voulez. Le même texte, il y avait « toto corpore prévalida », par tout le corps, son corps tout entier, prévalida, solide, ça voulait dire une fille. Petite, ça on sait à peu près, elle avait 1m58, 1m60 maximum. Hein. Petite, très solidement charpentée, avec la tête sur les épaules, c'est-à-dire presque pas de cou, les cheveux noirs, ça nous le savons, il y avait ce texte-là dont je vous parle, en latin, où on dit « les cheveux noirs », et puis surtout, il a existé au 19e siècle, mais ça a disparu maintenant, dans une des rares lettres de Jeanne qui soit signée Jeanne, il y avait dans le cachet de cire, l'empreinte d'un pouce d'une part, d'autre part un cheveu noir. Donc Jeanne avait des cheveux noirs, ses yeux, je ne sais pas. Alors vous voyez, petite fille, solide, bien membrée, musclée. Pas puritaine. Je vais vous apporter là quelque chose d'un peu choquant, mais pardonnez-moi. Au témoignage de réhabilitation, pour la réhabilitation, il y a deux gars qui vont parler de Jeanne nue. C'est Dolon d'une part qui était son écuyer, son intendant, d'autre part d'Alençon. Et d'Alençon et Dolon nous disent, et vous savez le respect que tout le monde avait pour cette fille, elle se changeait devant nous. C'est-à-dire que quand elle enlevait ses vêtements masculins pour prendre son armure, et qu'à ce moment-là, elle passait une espèce de petite cotte qu'on remettait sur le corps, elle était nue. Et l'un comme l'autre, on dit, elle avait de très jolis seins. Eh bien, cette fille, vous voyez, elle est un soldat parmi les soldats. Elle sait qu'elle ne les excite pas et qu'elle peut se comporter comme un autre soldat. C'est une fille gaie. Elle est drôle. Elle est souvent en train, elle fait des blagues. Du noir à contrat, elle disait aux soldats quelquefois des histoires absolument folles qui lui étaient arrivées, des exploits monstrueux qu'elle avait accomplis. Les soldats regardaient de grands yeux, alors elle pouffait de rire. Elle me dit, mais non, c'est des blagues que je vous raconte. Capable aussi de pleurer assez facilement. C'est une hyper nerveuse, c'est une sensible, c'est une emportée, c'est une petite violente. Mais ce qu'il faut surtout retenir d'elle, c'est que c'est avant tout une fille qui y croit. Vous savez, croit au Père Noël, si vous voulez. Enfin, c'est une chrétienne. Figurez-vous qu'elle va envoyer une lettre aux Anglais d'abord avant de les attaquer. Et cette lettre aux Anglais, elle leur dit, vous n'êtes pas chez vous ici. Si vous êtes des chrétiens, comme je crois que vous l'êtes, il faut partir. Peggy, à ce moment-là, a une assez jolie phrase. Oui, elle discute avec une amie et son amie lui dit, bah, ils seraient bien bêtes, les Anglais, d'écouter ce que tu leur demandes. Elle répond, non, ils ne seraient pas bêtes, ils sont simplement des chrétiens. D'autre part, Jeanne va dire, à Chinon, j'en aurai pour un an, guère plus. Cette fille sait qu'elle n'en a que pour un an, guère plus. Et puis vous savez, elle est partie avec l'idée que c'était les saintes qui la poussaient, Sainte Catherine, Sainte Marguerite. Elle ne sait pas grand-chose sur ces saintes qui aujourd'hui, paraît-il, sont tellement contestées. Elle sait simplement que ce sont des martyrs. Ce sont des filles qui se sont fait tuer pour leur idée. Eh bien, Jeanne pense qu'elle n'en a que pour un an, guère plus, et que vraisemblablement, la terminaison de tout ça, ça sera sa mort. Eh bien, il y va tout de même, avec enthousiasme.